Les tenniswomen peuvent enfin porter des shorties de couleur à Wimbledon. La décision a été prise en raison de l'anxiété que pouvait causer l'obligation de jouer en blanc pour les athlètes en période de menstruation. Et oui, jusqu'à aujourd'hui, c'était tenue blanche complète obligatoire pour participer à la plus vieille compétition de l'histoire du tennis. À la création du tournoi, en 1877, la tenue blanche permettait de rendre hommage à l'aristocratie et en même temps, ça faisait que tous les sportifs étaient habillés pareil, du coup, pas d'indice sur leur origine sociale. À partir de 1963, la tenue blanche est devenue carrément obligatoire. Tellement obligatoire que même Roger Federer a été interdit de porter ses chaussures à cause de leur semelle orange. Et ouais, si c'était clairement pas gagné de voir des shorties de couleur à Wimbledon, il faut savoir qu'il n'y a pas que dans le tennis que cette initiative a été mise en place. En octobre, les footballeuses de Manchester City ont également obtenu le droit de ne plus porter de shorts blancs.